Le compte à rebours est lancé. Ce samedi 7 janvier, TF1 a partagé le nouveau spot publicitaire de la prochaine opération Pièce Jaune qui s'achèvera le 4 février prochain. Cette fois-ci encore, Camille Combal, Brigitte Macron et Didier Deschamps ont fait fort. Le début d'année démarre fort. Comme chaque mois de janvier, l'opération Pièce Jaune destinée à recueillir des fonds pour soutenir les enfants et les adolescents hospitalisés est mise en place durant un mois. Afin de relayer l'information, un nouveau spot publicitaire mettant en scène Camille Combal et la Première Dame a été dévoilé ce week-end. La vidéo, dévoilée par TF1 ce samedi 7 janvier, commence par une arrivée à l'Élysée de l'animateur souhaitant partager ses idées à Brigitte Macron. Plus déterminé que jamais cette année, Camille Combal en est persuadé, il a la bonne idée. Brigitte, je suis très content qu'on soit tous les deux pour bien vous présenter les idées que j'ai eues pour les pièces jaunes. Je sais que Didier, si est-il le parrain de l'opération, mais là on est bien concentré, a-t-il commencé par argumenter. De là, la compagne d'Emmanuel Macron tente de l'interrompre. Mais c'était sans compter sur la détermination de son interlocuteur, qui poursuit, « Vous savez, je sais que par le passé, mes idées n'ont pas cartonné. » La tirelire dans Masque Singer, c'était pas ça. Le quick-step dans Danse avec les stars, non plus. Non, ce n'est pas grave, on se renifle, on se cherche. Et je crois que cette année on va se trouver. Cela dit, un troisième individu de taille va briser cet échange. D'amusants clins d'œil à Camping, Star Wars et les Tuches alors, on n'attend pas Didier? Peut-on entendre avant de découvrir le visage de Didier Deschamps, parrain de l'opération depuis plusieurs années, à travers l'écran d'un robot qui est utilisé pour aider les enfants à rester en lien avec leur école? Le « on n'attend pas Didier » qui rappelle le fameux « on n'attend pas Patrick » de Camping, n'est-ce pas le seul clin d'œil au cinéma? C'est bon, R2 Deschamps, lance par exemple Camille Combal, faisant ainsi référence à R2-D2 dans Star Wars. Sans oublier la grosse surprise de ce spot, l'arrivée inopinée d'une autre première dame qui n'est autre que Cathy Tuche. Mille désolages pour le retard, mais je ne trouvais pas l'entrée, interrompt le personnage campé par Isabelle Nanty. Un sport désopilant dont le but est de rappeler qu'il faut déposer les pièces jaunes au plus tard le 4 février 2023 dans les bureaux de poste. À lire aussi je n'ai plus le droit. Cette règle imposée par sa femme que Camille Combal doit absolument suivre devant son enfant. Article écrit en collaboration avec 6 médias.